C'est pas le cabrit fin passé pour d'emprêler fermer barrière. Nous ça pays a là si nous voulons stabilité, si nous voulons sécurité rétablir dans pays hein, pas de question zami taille, pas de question acolyte. Ni gros poisson, ni petit poisson, tout doit prendre code. Non moment n'a parlé à là, Nations Unies paniqué. Yo paniqué parce que gagné des séries de groupes résistance qui mettaient campé. Dans la Tibonite, moun de Chapelle, moun Verrette, yo décidé monter en brigade vigilance pour correspondre à base Grand Griff nèg sa rien yo qui pas suspendre, touyer, kidnapper, assassiner population. Eh bien, restez là, m'bral bo plus de détails, puisque dans ce moment-là, il y a une grande inquiétude, c'est parti causé qui gagne. Yon l'autre bord, gagne Premier ministre Ariel Henry et gouvernement là, qui pas suspend vos éventures. Monsieur Damio, yon mette dans tête yon, c'est venu avec des projets, des initiatives, c'est ça qui pral calmer l'opinion publique là. Dans le jour qui s'est passé, nous tendons un programme que nous mettons campé qui pral permettre chaque grain citoyen haïtien gain accès à un document d'identité en ligne. Eh bien, mes amis, une fois que le programme est lancé, eh bien, pas caché, dis-nous, ce n'est pas deux ou trois personnes qui commencent à porter critique sous décision que l'État haïtien prend pour yon mette campé yon plateforme en ligne qui pral livrer documents à citoyens et citoyennes haïtiennes. Que le te passeport, que le te carte d'identification nationale, kounye a, y a plus facilité pour un moun prend rendez-vous en ligne. Mais prend rendez-vous en se youn, rive jouen document officiel la nan men ou, se yon lot bagay liye. Eh bien, rete lor pral jouen nan plus détail. Yon lot bo, gen pile haïtien ki bat bravo, parce que la Russie a présidé Conseil de sécurité des Nations Unies. Gen moun ki di, oh ouais, finalement, dossier haïtien, et li pral passe Haïti pral ralon souffre, parce que la Russie a présidé Conseil de sécurité des Nations Unies. Bagay yo pral pi bon, bagay yo pral pi douce pour Haïti. Eh bien, mes amis, m'pote information dans dossier ça pour vous. Restez là pour ne pas rater rien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avoir avec nous dans l'émission Panoua, mon éditorial avec Yannick, pour nous continuer à partager l'information avec vous, par les pays, analyser la situation et garder ensemble qui ça nous a joint comme élément de solution. Je rappelle nous, je dis, nous allons inviter dans l'espace Libre Opinion, Ricardo Fleuridor avec lui. Nous pral parler sur problème paysan, nous pral font ce diagnostic et surtout nous pral parler de concept décentralisation. Est-ce que c'est pas un élément dans moment là l'état autorité ou t'a utilisé pour joindre yon ti aller mieux, yon ti amélioration avec Jean Port-au-Prince engorgé avec problème insécurité qui a brassé bille capitale pays. Déjà, si vous pouvez abonner, m'a invité ou abonner, activer la cloche notification puisque là, sur plateforme pour la TAC 509, tout haïtien connecté. Maman pen ba information, c'est là pour joindre. Donc, pas négliger, abonner. Sans perdre du temps, mes amis, pour que chargez pas campé information nous pote, nous pas gen campé pour nous, n'a pas rentré droit direct dans information. Nous connaît par rapport avec problème insécurité, hein, violence criminelle, question et grand banditisme, dans tout petit coin passé en dedans pays, hein, c'est gang qui a terrorisé moun. Et dernier rapport qui sorti en dedans Binu, yo fait état de près de 60% territoire paysan li occupé par des groupes armés. Ça veut dire 60% capital paysan. 60% dans Port-au-Prince occupé par des groupes armés. C'est pas tout paysan, non, 60% capital paysan contrôlé par des armés. Nous gen ISO, Tilapli, Lambos en Jou, G9, G-Pup, et qu'est-ce encore? Nous gen invité l'homme, l'homme. Ah, plein, nous venons pas à compter yo. Seulement ça qui doit rester dans l'esprit, c'est que nous gen rentré dans le pays qui bloqué avec les Canarans yo. Pas de date promesse faite. Oh, yo pral débloquer rentrer dans le pays, nous pral gen plus facilité pour nous faire activité nous. Machin fait carré à payer. Yo fait carré à payer policier dans blindé pour passer à marchandise pour yo, pour sécuriser convoi pour yo passer dans Canada.
Rentrer sud pays là, l'on pense nèg village nèg izo ti la pli ou ka passer ou même ou dit bon bon prend chance passer ou rive porta ou pour un bus pour aller nan bus santé gen tan gen tout est l'on pral rive nan piro matisan yo l'on pral rive nan zone et sous commissariat matisan et puis c'est l'on pral tande nèg a vini a camper bus a fouiller bus a fò descend a kidnap ou aller avec ou donc tout jour virel. Tout jour virel, tout jour essayer comprendre ça qui a passé en dedans pays hein. Nous ouais une mauvaise foi, une mauvaise autorité, ou pas une volonté vraiment. Une mauvaise foi par bon côté acteur qui là pour résoudre le problème de sécurité. Eh bien, nous n'avons pas fait ni deux ni trois formes possibles puisque l'État pas décidé de résoudre le problème de sécurité. Eh bien, ils ont décidé de monter des groupes. Moun yo monte groupe et autodéfense yo, moun yo monte brigade vigilance yo y a veye bandi. Mais koun y a kote problème nan e, kote Nations Unies décide intervenu, gen bureau coordination des affaires humanitaires et nan Nations Unies qui di yo vraiment vraiment préoccupé le fait que gen des groupes d'autodéfense qui campé et principalement dans leur Tibonite. Moun sa yo ki monte des groupes d'autodéfense hein. Yo fèl nan l'idée pour yo protéger tête yo. Premier bagay. Moun sa yo ki monte des groupes d'autodéfense encore, tande bien, yo gen zam nan men yo. Bandi an gen zam illégal nan men yo. Moun sa yo ki ap défend tête yo contre bandi an, yo gen zam illégal nan men yo. Donc, la bagay la vi nou ti jan paraît bizarre. Pendant la police ap bataille contre moun ak zam illégal, mais on groupe moun ki ap défend tête yo ki gen zam illégal nan men yo. Et non seulement problématique zam illégal là, vinn gen circulation plus zam illégal en dedans pays là, ça pose problème en dedans Nations Unies, mais gon l'autre aspect. Guerre civile là. Nous obligé parler sur ça parce que le fait que on groupe moun décide défendre tête yo par rapport avec on l'autre groupe moun qui vini pour touyer, ou il faut défendre tête, la défense ça doit sacré, mais qu'on y est, on vinn trouve nos situation haïtien à bataille, youn gen zam, l'autre la gen zam, affrontement matin midi soir, on pas caché dit nous, nos situation de guerre civile, bagay ça li vraiment préoccupé et bureau affaires humanitaires de des Nations Unies, y a gardé qui ça qui ka fait. Yo pral chita parler avec différents acteurs, yo différents moun ki concerné pas problème nan pour yo garder qui ça yo ka joine comme sortie de crise, qui ça yo ka joine comme solution, qui ça yo ka proposer, mais pas oublier tout, c'est même Nations Unies, hein? C'est même Haïti en dossier entre en dedans Nations Unies. Yo roulen de boy, yo roulen de boy, yo voyel nan OEA, yo roulen nan farine, yo voyel nan CARICOM, jusqu'à ce que États-Unis retourne avec en question et proposition casque bleu dossier al retourne encore dans Nations Unies. Koun ya le fait que nan moment n'a parlé à la décision prend pour la Russie préside Conseil sécurité Nations Unies. Gen pile haïtien qui content, gen pile moun ki bat bravo. Gen pile moun ki ouais, c'est une opportunité pour Haïti pour le sortir dans sa lia, pour États-Unis pas faire ingérence etc. Mais faut moi dire honnêtement, le fait pour la Russie, le fait pour un représentant russe préside Conseil sécurité Nations Unies, il pas mis rien. Il pas mis rien. Il pas bail la Russie plus pouvoir que elle a déjà gagné. Li pa bay la Russie plus pouvoir que l'était déjà gagné. Donc oui, lorsque président, lorsque président Conseil sécurité Nations Unies, ou gen droit pour inviter, ou gen droit pour dire jodi an, OK, n'a fait séance, jodi an gen séance. Oui, ça arrive, ou gen dossier en deux des Nations Unies, surtout dans le moment où il y a un conflit, la Russie avec l'Ukraine. La Russie a décidé chaque jour à venir avec des questions et y a fait convocation séance sous dossier Ukraine, non? Pas de problème, mais ça ne veut pas dire pour autant le pral voter en faveur. Ça ne veut pas dire le fait que la préside du Conseil de sécurité a tout bagaille c'est en faveur, li gen même sous toute décision qu'a prend. Non, c'est pour ça gen vote qui fait. C'est pour ça son assemblée qui réunit tout le monde gen liberté pour voter pour contre abstention. Vous comprenez? Donc, même le président du Conseil de sécurité des Nations Unies en un moment là, l'État décide bon, ok, et chaque coup, yo, m'pas fait séance sous dossier Haïti. Il faut comprendre que, en dedans, chaque Nations Unies, même, dans la règle qui régit l'Assemblée, 9 membres qui ont décidé de convoquer une réunion. Président Assemblée, président et Assemblée, président séance, il n'y a pas qu'à dire non. Li pa ka di non réunion pa fait etc.
Donc maintenant, tout le fait que et la Russie a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça n'a pas changé rien. Ça n'a pas changé rien. Et si vous avez pour le changer, on ne va pas quoi c'est pour Haïti, l'a changé l'intérêt pas. Alors que c'est même pas le cas. Donc, faut que nous suspendons à vivre nos illusions, faut que nous suspendons à compter sur le monde dehors. Problème nous sommes monde dehors pour une résoudre. Problème nous, la caille ou des problèmes, la caille ou des fatras, la caille ou pas propre, la caille ou qui te ravette, afin garoter toute soirée, gaspiller soirée dans la cuisine, gaspiller soirée dans le vaisselle, etc. Ou apprendre ses voisinages pour venir avec petit balai, petit cloxy, qui pour venir avec des produits ravette, venir désinfecter pour nous. Non, non. Nous avons un problème, nous avons un problème d'insalubrité, nous avons un paquet de tintinade qui a gonflé dans le tiroir, etc. C'est nous qui pouchitons un bonjour pour nous dire, nous avons propre caillou, nous avons fait ménage dans le caillou. Donc, ménage dans le caillou, comment nous pouvons l'envisager par rapport avec le problème qui est là, par rapport avec l'urgente nécessité qui est là pour nous résoudre le problème pays. Qui ça nous pouvons faire, qui ça nous voulons faire et comment nous pouvons faire? Problème, nous sommes conscients de nous. Problème, chaque jour nous posons. Et gardez par rapport avec problème et question passeport là. Nous pas qui ça Ariel décide de faire, nous pas qui ça ministère de l'Intérieur décide de faire pour pallier avec problème là. Yo décidé, yo vinn avec et yon programme côté que moun ka mande document officiel en ligne, document identité en ligne. Yo cherchons solution pour yo pallier avec crise. Mais qu'on y a vina avec initiative, ça c'est une très bonne initiative. Depuis le cas facilité moun yo moins temps gaspiller, pas obligé à le batal barakete manger l'argent, pas de problème. Mais qu'on y a comment yo décider encadrer tout processus sans yo prend. Comment yo pral encadrer? Est-ce que yo prend toute disposition pour yo protéger données moun yo, données personnelles ou c'est pas bagarre qui ka au grand public? Données personnelles, ce n'est pas bagaille qui est public, ce n'est pas bagaille on moun quand on monte sur site, on fait photo, etc. Et puis, on a dit qu'il y a sur Facebook, il y a sur tout réseau. Non, il faut que vous sécurisez la disposition qui prend, qui est légal, qui gagne pour accompagner les Haïtiens, si vous sentez vous lésez, si document vous publiez, si vous avez fuite d'informations, etc. Tout ça est extrêmement important. Donc, ce n'est pas seulement venir avec et des soins palliatifs, vous comprenez, qui pourrait aider nous, qui est bien en vie, rester en vie, alors que nous mourons. Vous comprenez? Donc, c'est ça me senti que vous fait là. À chaque bagaille qui éclate, dans le figuier, vous venez avec une petite solution palliative, un petit soin palliatif. Vous avez peut-être fait mal, vous avez bon paracétamol. Mais vous ne cherchez pas au fond qui ça qui à la base de tête fait mal. Ou avez mal ventre, ou mange ou vomi. Ah, yo bon bagaille, on dit gaz, on bagaille pour indigestion. Yo pas chercher qui ça qui à la base de votre fait mal ou gagne, de vomissement gagne. C'est comme ça, c'est ça nous gagne dans l'État. Et c'est comme ça pour voir l'État nous gagne là fonctionner. Et ça fait extrêmement important pour nous poser problème yo et ensemble arriver chercher solution yo. Jodi an là, nous allons faire un petit parler avec Ricardo Floridor, qui lui-même, en tant qu'haïtien, en tant que leader, jeune leader qui a pensé pour pays, qui a pensé pour génération future yo, faut que nous continuions à poser problème yo. Puisque là c'est problème qui gagne à poser problème yo, et moi-même voulais dans quelques temps encore, dans quelques mois, quelques années qui a bien pour venir, vous commencez à parler de l'autre bagaille. Reprendre question opposition politique qui parle de élection, qui parle de l'élection, faut pratique ça on commence à finir dans le pays. Et c'est ça qui fait l'important. C'est ça qui fait l'important pour nèg ça reprend retraite des séries des vagabonds dans tête l'état là faut que prend retraite place yo pas là moun ki pa vle élection k'ap fè complot pour assassiner président place yo pas là. Donc jodi an avec Ricardo Floridor nous pral poser question sous décentralisation. Nous pral poser question pour nous garder aspect décentralisation, rive fè déconcentration dans institution étatique dans service public yo. Est-ce que ça pa ka aider pour désengorger capital pour désengorger Port-au-Prince côté tout non bastion kidnapping, on repère pour insécurité pour bandi yo pour faire zak yo pour rive permettre à ce que peuple haïtien ralon sou vive mieux, aller mieux, parce que gros paquet l'autre département, gros paquet l'autre commune, gros paquet l'autre section communale, surtout section communale yo qui vide, moun yo kouri kite section communale yo rentre Port-au-Prince, rentre dans les grandes villes, et puis mais qui sa yo vin subi? Yo vini, ap subi insécurité, ap subi kidnapping, ap subi châtiment bandi, gang. On comprend que même l'État, que même autorité, que même élite en dedans pays, fait alliance avec yo pour yo finir avec société, pour yo détruire société. Donc Haïti c'est pays nous pas ka bail vague, nous pas bail les gains. Donc on nous pose problème yo ensemble avec Ricardo
pour nous arriver à garder qui ça nous a dégagé comme perspective de solution. Donc, j'ai déjà annoncé lui, invitez-nous pour aujourd'hui, une autre fois encore, c'est Ricardo Floridor avec lui. N'a continué à faire débat sur la situation pays, sur la situation et politique sociale, économique que Haïtien a traversé dans ce moment-là. Nous connaissons déjà un problème pays, j'ai Haïtien à vivre en situation qui est extrêmement difficile. Dans ce moment-là, nous n'avons pas qu'à faire activité, question sécurité, l'irrité au centre des débats. Et la police, l'armée d'Haïti, pas vraiment gagné le travail qui fait pour arriver à mettre la population en confiance, pour arriver à mettre Haïtiens et Haïtiennes en confiance, les gens qui ont une activité pour faire un dans le pays. Par rapport à ce besoin d'urgence qui gagne pour arriver à rétablir la sécurité en dedans pays, gagne des propositions qui viennent sous table, est-ce que ce n'est pas un bon moment pour autorité, est-ce que c'est pas un bon moment pour acteur, est-ce que c'est pas un bon moment pour commerçant, businessman, yo ta pensé avec concept de décentralisation. Avec Ricardo Floridor, nous allons essayer de poser problème de décentralisation, nous allons regarder ça gagne dans capital pays par rapport avec Jean capital engorgé, nous connaît Port-au-Prince, c'est capital politique, capital économique, c'est là un paquet l'argent brassé et c'est là tout bastion insécurité, violence criminelle, bastion terreur là. Journée aujourd'hui, qui ça qui ca fait, qui ça qui doit faire en termes social pour nous arriver au moins gardez comment nous ka pallier avec problème qui gen là dans pays surtout dans capital pays dans Port-au-Prince avec question insécurité. Et bonjour Ricardo, bienvenue une fois encore dans l'émission et comment y est? Bonjour Yannick, bonjour avec tout fidèle auditoire. L'émission ça fait un travail colossal pour former former population. Bonjour Haïti, bonjour le monde entier. Son énorme plaisir matin pour nous discuter. Et merci pour disponibilité Ricardo. Et Ricardo, j'aime te commencer à élaborer sur situation pays. Et ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de problème haïtien, ce n'est pas la première fois qu'on a essayé de poser problème yo et garder qui ça nous a joint comme perspective de solution, comme sortie de crise, tout ça. Et nous, ouais, depuis lors, on dirait que situation pays est devenue plus grave. Bagay yo vin pi difficile de jour en jour. Et n'ap gade nan ki kondisyon ayisyen vivan dedan peyi an, gen moun ki just perdu espoir. Gen moun gen ayisyen moun konnen ka vivan dedan peyi an, moun m'ap kotwaye, moun m'ap pale avèk yo. Yo pitit yo te l'ekòl yo tout deside bon pou jan wè ba la e la menm travay yo pa ka soti al travay. Kesyon l'ekòl pou ti moun nan yo just bay vague. Yo bay vague, yo pa wè espoir, yo pa wè koman l'anvi yo pral ye demain, yo seulement deside abandonne. Par rapport avec Jean Payan et là Ricardo. Dernière fois nous t'ai parlé, c'était période Canada te voué et avion militaire CPO ravin survoler espace aérien haïtien. Kounye a bagay sa yo passé, Canada pren position li et cetera et cetera. Ricardo même pendant dernier jour ça yo, qui lecture ou fait de crise qui gen dedans pays là, de crise politique là avant même nous rentrer dans concept de décentralisation. Bon, et c'est le plan que nous t'ai dit là. Et peut-être que un pile monde t'ai ignoré, mais il y a un pile monde tout t'ai d'accord parce que après monsieur même toujours des internautes qui écrivent de Paris tout, qui sont en République dominicaine, qui sont à Miami pour dire moi t'as peut-être des mois avec madame Yanni. Et ça me dit à les corrects, les logiques. Et malheureusement, pas gain un modèle l'état qui monte tant qu'à travers le ministère de communication, à travers de loi qui est adaptée, même j'ai en France gagné là pour observer ça qu'a dit dans les médias et pour mettre en application. Moi je pense même pas gagner rien pour m'étonner, au contraire, je vois des positions là dans les derniers jours qui en plus le monde qui trouvé qui assis par avec international là, c'est parce que nous sommes anti-américains, nous sommes anti-canadiens, nous sommes anti-français. Et nous sommes anti l'Occident, nous disons juste pour une approche sur un pays qui soit disant à une minute, une heure et demie de grande puissance, hyperpuissance là. Et parce que quand on va avec pratique, et quand on arrive, je dis à vous, vous avez un problème,
si ou gon problème là qui urgent qui mérite une solution urgente c'est même j'aime de la carou mon grand goût et puis ou te dit me passer la carou manger parce que me désoume grand goût les venir me passer nous ca faire l'autre bagaille nous ca regarder chambre nous ca regarder ceci l'autre côté dans carré là nous ca faire aller une date mais premier bagaille nous faire c'est manger nous de mettre sur table pour nous manger on a pris notre petite base parce que c'est nous gagne bagaille qui sont impératifs c'est insécurité là. Ouais, on pile l'autre pays a fait la navette pour des diplomates et qui pas jamais ka bah résultat sont ici en bagage qui pour faire temps passer pour faire nous continuer pour continuer responsabiliser nous dans l'échec nous même si nous connaît que même chargé yo même tu fais partie de l'échec ça n'a connaît pas mais nous va retourner je dis aller que international là lui est devant nous d'ailleurs selon dernière information n'a pas prendre là. On va continuer Yannick. Ils viennent là, ils rencontrent nous, société civile, classe politique, patata, patata. Mais dans la soirée, ils ont beaucoup avec le conseil des puissants, homme d'affaires, avec le conseil des puissants, l'autre monde a différents secteurs. Ils sont foutus, ils vont nous faire avec le pays. Vous comprenez? C'est une façon pour m'expliquer que je ne vais pas étonner si je dis, ah, bah, il y a une détourie, nous ne pouvons pas avoir des moyens, nous ne pouvons pas avoir des espoirs. Vas-y, là, même des problèmes, pas les battements, nous pouvons des places pour lui. Et puis je dis, ah, bah là, tu commences votre principe, votre pièce pays à net. Et qu'on a assez dans le bout, mais nous, il faut nous sauver quelques autres départements éloignés. Je pense qu'il doit qu'on l'autre approche avec l'autre intermédiaire qui pousse Chita pour travailler pour voir comment nous avons sauvé l'autre ville et pas faire lâche tout pour nous garder comment tout. Nous avons récupéré votre principe parce qu'il fait partie du territoire. Nous tout. Nous avons livré le bail bandit et nous disons quitter le banal, faire l'autre ville profession. C'est comme ça que nous comprenons la situation qui a passé. Mais Ricardo, bon bagaille, faut me te poser une petite question. Ça. Comment il fait facile comme ça pour les acteurs nationaux? Il est facile pour aller chiter avec les émissaires, les États-Unis, les États-Unis, le Canada, la France, quoi, groupe invité au Chita. Mais là pour yo décider entre eux pour yo chita pour yo rencontrer pour yo parler le problème pays l'on invite nèg là li pa met pied qui motivation yo vraiment le chita avec blanc et qui sont penser qui motivé ou bien qui pas motivé ou bien qui pas booster nèg yo pour yo chita entre eux comme haïtien pour yo arriver joindre entente avec problème pays hein avec blanc et haïtien pareil yo et qui sont senti au plus priorisé. Et nous avons ces différents entre et Madame Yannick. Premier rang, nous avons dit nous sommes sambal dit elle va justifier 200 ans nous faisons pas mettre tête ensemble. Non, mais pas oublier, nous sommes peuple qui était esclavagisé. Ça veut dire c'est quel esclavage a toujours été. Pourquoi? Et c'est pas nous-mêmes celles qui constatent, mais nous-mêmes nous pis mal. On va regarder des pays en Afrique là qui ont fait des efforts pour comment ils ont sorti en boubier. Et l'Occident. Vous comprenez, nous-mêmes, je dis à la, nous montrer à clair que il y a des bagages qui nous héritent nos esclavages là, qui viennent tourner des séquelles pour nous, qui fait que nous sentons nous inférieurs, nous sentons nous avec nous-mêmes, les nappes rencontrées, nous sentons nous supérieurs, c'est là, nous blancs, mettez nous chita. Même si c'est pas un essai, nous allons dire non, juste la vini, n'a préparé belle robe nous, vous comprenez? Il n'a pas parlé d'elle ceci, nous, et puis nous allons continuer à le chiter avec nous, nous allons sortir dans un pays, et il nous fait presque 200 ans comme ça, et il y a des différentes missions de via avant nous voir indépendance. C'est des mêmes bagailles, c'est juste les pays à l'arrivée. Non, pour l'indépendance, monsieur, vous allez nous reconnaître que mon cher, son bas est divisé pour régner, car peut-être qu'il va vous blâmer ce qu'il y a avec nous, il y a juste besoin de continuer à mettre les pieds sous nous. Et puis les ça nous vient pour prise de conscience, même pas ils sont pas gagnés vérité. Et nous pas connaît, si c'est parce que nous ignorons l'histoire, parce que un peuple qui pas vivre de l'histoire, qui pas vivre de culture, qui pas vivre de réalité, il n'est pas un peuple. Parce qu'on vient de la France, on était peuple depuis bien des temps, mais on n'est pas un peuple depuis des 10. Parce que il y a des bagages, je dis, et nous ne pas connaît. Nous avons tenté, nous avons mis dans l'histoire, ça a oublié, ou pas mettre en application, ou bien nous avons changé tout ce qu'on est, qui vient faire que, je dis à nous sentons que nous avons des problèmes entre nous, même pour minimum, nous avons 40 ans, nous avons toujours des accords, mais nous entendons, même ça, nous avons arrivé, et puis, nous avons effondré, nous sentons que nous avons fait tout, et nous avons fait des problèmes, nous avons senti que nous avons une société. Et oui, à tout.
Non, nous là, nous là. Communication entendue, je n'ai pas coupé. Il y a d'autres sociétés construites pour les citoyens là, pour les des citoyens responsables, pour les citoyens responsables, pays occidentaux, même dans des pays en Asie, pour les citoyens responsables dans l'État, il va y avoir des résultats, il démissionne. Il n'a pas été déjà, le pays a fait 47 ans. La out démissionné. Yo a pris yo, le yo vin l'état pour vivre en service, yo vin fait ça aussi pour en pire. Ça, yo va construire la caille. Et c'est SPC de l'école là, NEP, RIFE, NEP, éducation, yo yo form. Parler, mais collaborer. Il y a qui même dit non, 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 depuis dans l'école, j'ai proposé. Nous t'a aimé, nous premier, l'autre table pas passé. Nous avons une équipe et beaucoup qui c'est pour nous aller plus haut, pour nous dire que c'est interdit pour le tabac avancé. Ça a construit un comportement là, car il faut que nous nous croyons que nous sommes supérieurs à nous-mêmes, nous suffisons à nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de l'autre monde, et puis nous avons fonctionné comme ça, et vous avez menti. Regardez, nous avons 200, puisque 200 ans comme ça, là, on n'est pas fait pour payer. Et bien là, nous conscients en tant qu'haïtiens, et Jean Bagayoko a fini de rouler là, en le pays record. Donc, nous, ça c'est ouais. Nous pas raconter sous soi-disant amis d'Haïti, nous pas raconter sur international là, sinon que nous-mêmes qui pour chercher solution avec problème pays avec crise nous gain là. Est-ce que selon vous-même c'est pas ta bon moment pour Jean-Port-au-Prince là et là et Jean-Port-au-Prince là a influencé son paquet l'autre département donc l'autre rentrer nord pays on gang canard là dans on base bandit qui empêche activité au fonctionner, qui empêche moun circuler librement, l'autre grand rentre sud pays, on l'autre base bandit, on l'autre groupe bandit, qui empêche grand sud la fonctionner. Est-ce que c'est pas un bon moment? Puisque près de 60% et capital pays, c'est gang kap dirige, c'est bandit kap dirige, est-ce que c'est pas un bon moment pour moun yo, pour l'État, pour autorité, pour pouvoir en place ça, t'as pensé réellement avec question de centralisation? Dans ce moment-là, est-ce que ce n'est pas bon moment pour que vous pensez pour retourner dans la ville de province? Parce que tout le monde était concentré dans la capitale, il presque pas de place encore, ou presque pas régler un rien à cause d'activité gang, activité bandit après régler dans le pays. Est-ce que ce n'est pas un bon moment-là pour vraiment retourner avec le concept de centralisation, puisque vous n'avez pas jamais vraiment appliqué l'ILA dans le décret 2005, mais vous n'avez pas jamais fait? Est-ce que ce n'est pas un bon moment, Gordo? Oui, c'est le meilleur moment, mais je vais suffire à l'hiver. Allô? Oui, allô, allô? Ok, nous là. Oui, c'est peut-être bon moment, mais ce n'est pas suffisant parce que si nous faisons réflexion, il faut réflexion et aller au-delà de ça, nous avons gardé, nous avons oublié. Et au grand capital, il a, qui sont capital économique et capital politique en même temps. Ça veut dire que c'est là toute bagaille qui est faite. Et oui, citoyens, il y a un pile côté, moi-même, je vis dans le département sud de la Caïmane, il y a un pile monde retourner la Caïmane, mais ça va suffire. Il faut que l'État réévalue un plan. Je me dis, l'État arrive à mon salaire là, non? Donc, l'État, il y a un autre plan pour les citoyens, capables de jouer tout le moyen qui dispose de tout ça, capables de faire acheter, ou besoin à disposition. Ibilité pour ne pas permettre que vous en ce temps après le problème pour tout le monde. Pour mon local vivant pour l'instant, il n'y a pas non l'en fait à le fouetter. Surtout parce que tu as arrivé, ou tu as fini produit, ou tu as venu dans nos côtés, ou tu as ceci, ou tu as cela. Et pour que l'autre monde, ou des produits que mon premier nécessité, sinon mon consommé, sinon mon l'autre bagage cosmétique, sinon l'autre produit, pour mon capable de gérer, parce que oui, mon yo libre pour nous faire retourner faire la taille nous. Pour encourager décentralisation, pour encourager l'émergence commune et le département le chef lieu, mais l'important tout, et pour nous organiser, pour nous voir ce qu'ils sont capables de faire, pour nous capables d'organiser un nouveau département, un nouveau quartier qui est capable de permettre que nous vivions dans de bonnes conditions. Mais qu'on y a, peut-être n'a pas de décentralisation vraiment. Et j'en dis, décentralisation de Paris même, il pas suffit parce que il n'y a pas quelque autre bagaille qui marche avec lui. Et pour mon yon quitter, et c'est la principale problème nan, et encore, oui, Ricardo. Parce que pour mon yon arriver, rentrer dans la ville de province, dans l'autre département, yon,
faut quand même yo passer dans grand action. Faut yo passer dans grand action, faut moun nan li jwenn une possibilité. Par exemple, s'il a quitté l'ouest, li pral aller dans sud, faut li passer Martissan. Kounye a, pas de sécurité. L'État montre, autorité montre, yo pa gen volonté pour résoudre problème qui la yo. Kounye a, comment décentralisation pral possible si à la base, ça qui pral facilite décentralisation qui se sécurité, nèg yo pa résoudre li. Donc, m'y a pression. Oui, Ricardo, oui, bon continuer. J'ai l'impression que même le NAPC cherche solution avec quoi que ce soit comme problème pays en gain, si nous pas poser véritable problème dans journée aujourd'hui là qui c'est problème sécurité, on n'est pas capable résoudre dans pays, on n'est pas capable, nous pas capable aller plus loin. Oui, of course, mais c'est ça ma Chico là. Ça veut dire que nous avons de l'autre problème encore pour nous résoudre, oui. Problème ça yo parce que capital la vin tout non l'enfer moun yo yo gen droit de vivre moun yo pa di faire tout ça possible de retourner à caillou. Bon, c'est un autre moment tout pour nous reconnaître que la caille c'est la caille, théorie la caille c'est la caille là, pour nous mettre en application parce que à l'étranger fait combien de temps on a tourné la caille nous Haïti, n'importe quoi fait combien de temps on a tourné la caille nous en province, pour nous repenser la caille nous, et si la caille nous a tout moyen qu'il faut, je dis à nous va et passer tout le temps nous là, humilité, nous là, batata, batata. Je pense que c'est un moment pour nous-mêmes, je pense que nous devons nous-mêmes, on cultive, nous devons nous mettre dans la case citoyenne, nous là, pour y penser. Parce que l'origine dans l'État, il va aller ça, on va aller des concepts pour changer, pour faire prévaloir les collectivités. C'est depuis la construction comme citoyen. J'en comprends, pour comprendre que mon cher, pays y a un département, pays y a des départements, pays y a tout territoire allié. Tout en tant que nous capables de mettre moyens, services au service citoyen, il y a encore mieux pour nous comprendre. Et son façon pour Mexico que c'est un cap fait idéal, bonne, c'est une très belle initiative pour nous conseiller à inciter Mounio et pour une décentralisation. Pour continuer pour chercher des gens qui vont venir dans l'État, qui croient dans la décentralisation et qui a appuyé toute proposition de loi qui pour renforcer la décentralisation pour permettre que nous gagnions un pays, côté nous ne pas obligés de lever pour nous faire 4 ici, pour nous faire pas pour l'autre bord, pour nous faire une banque ici, pour nous faire ça à l'autre bord, qui gagnent nous gagnons des côtés dans des charges là, mais par exemple, dans le Grand Sud là. Je vais être obligé, Jérémy, peut-être qu'on doit avoir des gros ports là qui pour permettre que bateau descende une bail gaz une 26 une 27 là et ça va permettre que il y ait développement comment une création de richesse une création d'emploi. Oui Ricardo, bon bail qui est extrêmement important parce que dans moment là on a parlé de décentralisation nécessité qui gagne pour nous pour moun yo ta penser avec l'autre sortie, on comprend. Pas au prince pas bon, capital payant pas bon, problème de sécurité, et bandit, gang, moun yo pa kalvaki activité yo, et ou pas senti yon bonne volonté pa bon côté autorité l'État pour résoudre problème nan, ou n'y a se gade ki sa ki ka fait comme plan B. Et si nous prenons exemple, nan moment là, des questions et passeport, programme Biden. Chaque jour, c'est Bourara qui gagne dans le bureau immigration. Yo. Chaque jour, son paquet de problèmes. Et bon, yo fait venir là avec yon site côté que Demi Lok, moun ka pren rendez-vous en ligne, etc. Malgré ça, encore là, il y a des petits problèmes qui posent. On y a par rapport avec incapacité que l'État gagne, montrer tout. Autorité yon montre incapacité yon pour yon résoudre problème pays, pour yon faire ça qui est une bonne gouvernance. Pour faire tout bagaille en toute transparence pour permettre que population, pour permettre que société, chaque citoyen ait accès à ces services. Est-ce que vous même personnellement, par rapport avec nécessité qui gagne pour résoudre problème de sécurité, pour résoudre problème de banditisme qui gagne dans le pays, pour déroger capital pays, est-ce que vous même personnellement pas penser que acteur yo, que c'est acteur politique yo, que c'est moun sa yo qui dans l'État, est-ce qu'on pas pensé journée jodi an la moun sa yo ta supposé non seulement vini avec des propositions qui gen pour
qui gen pour avec résolution problème sécurité en tout, mais vin avec des propositions qui beaucoup plus larges, qui ka même rive touche question de décentralisation pour yon gade ensemble qui sa ki ka fait pour pays. Bon, et n'a pas suivi de près l'initiative sa qui lance pour permettre que les citoyens yon fait passeport en ligne, mais au-delà de ça, avant même nous entrer dans l'initiative sa, nous ka essayé questionner le programme Biden non, et comment il responsabilité l'État par rapport avec les citoyens qui sont victimes chaque jour à cause de besoin de faire une pièce d'identité qui permet de voyager, et ce qu'on doit gagner tout, que nous ne pouvons pas enlever. Mais il y a de l'autre pays, il y a pensé pour le monde, et où est Venezuela qui s'est fait, je suspecte que le flux de monde dans le pays a visa ou passeport expiré, qui permet que nous remettons sur ce passeport ça. Qui valide jusqu'à 2 ans, qui a permis que USCIC avec Homeland Security, d'accord à accepter Mounzaïo, pour permettre que Mounzaïo soit capable de voyager et continuer à bénéficier du programme. Mais ici, d'ailleurs, il y a des traitements, inhumains, jeune monde, toute victime, même, il n'y a pas de bureau spécial, comme si vous passez là, où tu as dit, bon, on a conduit, on a des succursales, où il y a des femmes enceintes, où il y a des gens, des grands monde à bâton, mais ça ne va pas gagner du tout, ça veut dire, tout le monde net et victime, dans le même bagage, dans le même panier, qui vient faire que nous nous montrer, un, nous ne pas parler pour ça, ou deux, ça va intéresser nous, trois, citoyens, nous ne pouvons pas avoir trop important, c'est comme taxe qui est important pour nous. Et 4, et où est la ramasse corps, chaque jour, nous ramasse de l'argent dans la tête, mais dit que ça nous fait avec l'argent, ça peut, comme service, est-ce qu'il y a plus de sécurité, est-ce qu'il y a plus, comme on dit ça, courant, est-ce qu'il y a plus de sécurité, qui ça gagne, le monde qui n'a pas pouvoir, il fait plus, il y a plus qu'à l'étranger, il y a plus qu'à en Haïti, il y a plus bien l'autre côté, et puis, pays a fondé. Mais moi-même, je ne vais pas cracher sur l'initiative ça parce que nous pensons que c'est des initiatives qui dépendent depuis bien des temps. Un citoyen dans le pays, premièrement, qui est lui, qui a un système, tout le monde connaît, qui a un système, même si on a fait ça en République dominicaine, tout le monde est identifié depuis des temps dans le pays. Et voir même pour arriver à faire un passeport, pour passer son droit, et tout le monde gagne, il était bien, même un accès qui on accès à l'accessibilité pour tout le monde. On va se prendre du et au-delà de ça, nous ne connaissons pas, est-ce que nous avons tenu compte de l'ensemble de l'autre zone, du monde qui n'a pas arrivé, qui n'a pas utilisé le téléphone avec l'autre base sophistiqué, comment il va l'obliger, comment il va arriver pour inscrire dans le système ça. Et si nous avons un groupe de monde qui n'a pas. Non, ça est extrêmement important. Les gens qui n'ont pas accès avec avec smartphone, les gens qui n'ont pas utilisé ça. Qui dit ça, ils ne le faire. Est-ce qu'il y a continué, il y a des services qui continuent disponibles pour eux. C'est là que d'attendre, parce que nous-mêmes, on dit, nous n'avons pas trop de bagages sérieux que nous sommes capables de faire. Si il y a des bagages sérieux que nous avons fait, il faut que nous fassions avec un pile de pincettes, on ne va pas cracher sur lui. Sans pour bien un but, garder les résultats, mais il faut vous questionner tout parce que le pays a un pile d'autres problèmes, un pile d'autres côtés de pays là, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, comment vous allez faire ça, et les gens qui n'ont pas de lire, comment vous allez faire ça, et combien de temps vous allez faire, combien de livres vous allez mettre pour vous traiter, combien de gens vous allez engager qui pour traiter données ça, et données ça, qui côté à priorité, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour vous trafiquer, pour y aller de l'autre côté, pour vous bailler. Est-ce que ça va permettre que vous arrivez sous données de l'autre monde qui a un compte bancaire, patati patata? Nous avons une question. Et puis d'autant, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'il y ait des lois qui régularisent ça. Oui, l'État a toujours une initiative là, mais il faut qu'il y ait des lois qui régularisent ça, qui mettent plus de sécurité, qui mettent plus d'argent parce que données maintenant, il doit faire personnel, il faut qu'on ait une bagaille de lit. Si le prend la rue, c'est bon pile l'autre bagaille. Nous devons connaître. Nous avons son passeport, le passeport, il faut sécuriser ses pièces.
pas lié s'il t'a fait le grand public, t'a fait tout le monde connaît, son bagage personnel lié, sous des questionnements faut nous poser. Vous comprenez? Tout à fait. Et quand on nous prend fini, dans ce moment-là, par rapport avec le problème pays, hein, Haïtien a besoin de solution. Pays a besoin de solution. Qui ça? Ou même en tant que jeune leader, ou même en tant qu'Haïtien qui a réfléchi, Haïtien qui a pensé avec le problème pays, qui constate le problème et qui a cherché à jouer une solution. Qui ça, dans ce moment-là, pays, concrètement, qui attend de Ricardo Floridor, de structure nous pas dormir comme proposition? Qui ça, le concret, nous gagne là sous table qui a aidé? Oui, effectivement, ce qui nous va proposer, ça prépare, on esquisse, c'est quelques points de proposition de sortie de crise qui va permettre que nous proposer et nous pouvons participer par nous, avoir des critiques, nous avons fait des dénonciations, nous avons fait, et nous avons préparé nous là, mais ça va prendre quelques jours parce que nous phase finalisation. Hein? Okay. Et n'a pas si ouais qui ça capable faire droit jeune ni et tout dit toi ou à interlocuteur tout pas jeune ni tout et me pense que c'est important parce que nous venons dans phase là si nous tout d'accord que nous ne va pas aider nous va regarder ce qui nous il va faire rien avec nous encore il bouquer avec nous va avoir il va avoir nous encore là et pour nous on doit vivre là on va continuer vivre là avec famille nous. Est-ce qu'il n'a plus de pays avec toute famille, tout le monde, tout ça nous connaît. Est-ce qu'il n'a plus de pays? Est-ce qu'il dit, est-ce qu'il n'a plus de pays? Non? Je pense que il est beaucoup plus important pour nous comprendre la nécessité qui gagne pour le futur que je nous compromis et sous le nous entendre, même sous le plan sécuritaire, parce que je dis, il y a un gars des politiques pays, il y a des manifestations, il n'y a rien. Il y a un blocage, il y a un monde qui a dit que c'est bloqué, c'est bloqué, l'État a pris en place, l'État va régler un essai, tout le monde voit qu'il va régler un essai, il va régler, c'est continuer, vivre privilège, faire l'argent. Vous comprenez? Mais je dis à nous, on va continuer comme ça. Et il y a un monde qui finit du jour là, il a déjà eu ici, et il va continuer à vivre, des ça, il va faire un de pays, malgré qu'il n'y a pas de pays, aucun service, nous-mêmes, pour nous continuer à vivre, je pense que c'est à tout citoyen qui est conséquent. Et les gens de la diaspora, parce que le roi est là, vous donc des trois tournées, vous quittez bien là, tout le là, même si vous avez fait du pas bien dans le pays occidental, vous tournez là, mais vous tournez là, vous avez la vie. La caille, c'est la caille. Vous comprenez même pas ce que. Et il y a un découragement, mais la différence que la société a traduit, ça plus ou moins crédible, t'as dû commencer à chiter, puis on dit, monsieur. On garde un petit tableau pour nous bagarre nation, on va être viable, qui t'a permis de nous sortir pour nous bailler. Parce que ça t'a dit là, ça nous a dit dans nos oreilles là, c'est vraiment triste. Et pour nous partager, on espère que c'est ça, nous quitter comme moi qui, comme mon héritage d'une génération qui a venu. Bon, là, c'est sûr que. Napton et esquisse, Napton proposition, parce que nous besoin ça. Si nous avons un problème, il faut que nous proposer des éléments de solution, il faut que nous venions avec des perspectives pour nous voir comment le pays a avancé. Si les gens qui parlent n'ont pas qu'à résoudre le problème, il faut que nous cherchions qu'on est, il faut que nous cherchions les gens qui au moins. Kabay peuple ça au méritaire qui ka au moins changer condition situation nan vive en dedans pays aujourd'hui jodi a. C'est un plaisir pour me te recevoir jodi a Ricardo pour nous te font parler et sous problème pays a et pour nous garder ensemble qui ça qui ka fait pour aider moun yo sorti nan sa yo là parce que honnêtement gen moun qui désespéré gen moun qui découragé gen moun qui pa wè avenir yo avenir ti moun wap gade des séries de moun yo gen petit yo ti moun 7 8 ans pour parents pour maman papa lou li pa wè ki sa l pral fè a petit la l pa wè ki sa li pa wè sa l pral di ti moun nan nan 2 3 4 ans si bandi pa gen tatouye ou c'est triste c'est grave et c'est une des raisons fort nous penser. Et Ricardo merci pour disponibilité on pense a gen un paquet l'autre occasion pa kote nous ka poser problème et rive chercher solution et m'espérons un jour nous pas parler de même problème yo mais n'a pas venir avec l'autre dossier l'autre et l'autre thématique bagaille qui est beaucoup plus intéressant qui pas concerné plus qui intéressant. Voilà merci en Piliani de bon tout d'abord bon début de semaine et bon et nous souhaiter tout auditoire tout le monde qui a entendu l'émission ça participer dans
ça qu'a fait yo continuer partager information parce que faut qu'il y ait de nouvelles voix et de nouveaux visages. Faut dans tous les secteurs pas monde cap militer non mais de monde cap qui veut parler on l'autre bagaille qui monde qui dit quoi yo partager du bail parce que nous gain on précarité et capable dire dans manière élite de manière vraiment très centrique par rapport avec monde qui a fait réflexion depuis il y a pensé diaspora il faut parler plus pour participer plus dans ça qu'a fait là et même sous voyage mon voyage avec un métier qui est le citoyen la caillou que personne ne va acheter et ou de combat bataille pour ça aussi là au côté de pays a ouvrir participation rôle pour tout pour pas plus mal situation pas plus mal que ça qui j'ai eu et même si c'est même ça pour nous même déjà et comment il dit ça et par contre non ce sont catholiques c'est semaine sainte c'était tout le monde joyeuse bat et n'arrive pas aller m'a toujours là et tu as toujours là pour continuer pour tes éléments solution dans différents problèmes qui pays a connu. Merci en plus Ricardo, très bonne journée à vous même. Bye bye. Bye. Avec nous, c'était Ricardo Fleuridor. Nous t'a posé problème, yo regarder ensemble qui ça nous ca joindre comme sortie de crise. Et j'aime dire Ricardo, m'espérer très prochainement nous n'a suspend vin avec même problème yo sous table. Problème insécurité, mauvaise gouvernance, instabilité, gang, collusion gain autorité avec bandi qui associé. M'espérer bonjour, n'a pas parler de l'autre bagaille. N'a pas parler de l'autre domaine, de l'autre thématique, n'a pas parler de développement touristique, n'a pas parler de industrialisation, n'a pas parler de progrès scientifique, progrès technologique. Et de bagaille ça yo. Pays qui gen problème, mais yo pas seulement centralisé sur problème insécurité, gang matin midi soir. Tout pays gen l'autre problème pa yo. Mais pendant gen problème nan, gen l'autre moun kap cherche solution. Gen moun k'ap pense, gen moun k'ap propose, gen moun k'ap fè des inventions, gen moun k'ap découvrir des séries de bagay ki extraordinaire. Mais nous même en Haïti, son seul bagay, insécurité, gang, autorité qui allie à bandi, autorité k'ap finance gang, autorité k'ap finance bandi, kote pays sa pral, ki sa nou vle fè ak peyi a? Ki sa nou vle fè ak peyi a? Donc li extrêmement important pour débat sa yo continuer fait et Jean Ricardo di la, nous même qui dans diaspora, li important, li autant important pour nous impliquer nous. Li autant important pour nous faire voir nos passés parce que ça qui passe en dedans pays hein li pas seulement concerné haïtien qui en Haïti li concerné nous toutes parce que en pile fois l'autre des kidnapping nan fait là premier monde pour yo relé premier ami pour yo chercher c'est dans diaspora lié comment ka aider parce que moun ki en Haïti yo fin appauvri bandi kidnappé yo on fois deux fois yo kidnappé maman yo kidnappé papa yo kidnappé frère yo kidnappé tati yo kidnappé tonton yo kidnappé petite yo fin appauvri. N'importe ça li à côté pour yo vi regarder c'est vers l'extérieur vers la diaspora haïtienne. Donc li important Jean hier un groupe haïtien aller devant bureau premier ministre canadien Justin Trudeau al manifester al porter problème pays al revendiquer statut yo comme haïtien qualité yo comme haïtien faut que nous impliquer n'importe côté nous hier dans n'importe pays nous hier nous ka faire li extrêmement important jodi an ces problèmes insécurité. Nous gardons l'aspect de centralisation, concept de centralisation, qui ça qui a fait, qui n'a qui ça le bénéfique pour nous, qui profit nous qu'a tiré là-dedans. Ça est important. Et problème yo là, solution yo là tout, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens, c'est nous-mêmes en tant que jeunes femmes, jeunes garçons conséquents qui pour arriver chercher yo pour nous bailler pays en souffre pour haïtiens, compatriotes français nous yo caralon souffre avec ba mes gangsters ça yo, gangster à cravate, gang à sapato qui a terrorisé qui veut fini avec pays d'Haïti. Rendez-vous en caste dans une autre vidéo pour une autre émission. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Wow.